Les travaux de la session d'automne de la 42e édition du Forum culturel international d'Acela se poursuivent en présence d'un parterre de chercheurs et d'intellectuels marocains et étrangers. Lors de l'ouverture du colloque portant sur la démocratie électorale, les intervenants ont indiqué que la démocratie électorale dans le monde traverse une crise en raison d'un certain nombre de mutations que connaissent les sociétés. Nous traitons la question de l'avenir de la démocratie électorale. Elle est considérée comme la préoccupation centrale des politologues et des académiciens. Et aujourd'hui, nous avons assisté à l'intervention de deux anciens ministres du Pérou et du Chili sur les mutations de la question démocratique en Amérique latine. D'autres intervenants se sont arrêtés sur le déclin du rôle de l'acteur politique et les différentes évolutions sociales et économiques qui ont impacté la démocratie. Les débats se sont focalisés sur la crise démocratique dans le monde. Je pense que ce sujet est très important, notamment avec la croissance des courants populistes, de l'évolution des modes de communication et de mondialisation, ainsi qu'au vu des répercussions de la crise migratoire. À l'instar des éditions précédentes, la session d'automne du 42e Forum culturel international d'Acela sera également marquée par l'organisation de quatre autres colloques traitant des questions géopolitiques actuelles et d'activités artistiques et culturelles.